Nous voici enfin à la fin de la Megillah, le dernier pérèque, le dernier chapitre. Cette Megillah se termine d'une manière assez curieuse. Il est écrit que Achashverosh a mis un impôt à toutes ses 127 provinces. Pourquoi la Megillah nous précise cela? Pour nous dire, bien que Achashverosh aurait pu avoir des ennemis après ce qu'il a fait. Et oui, il a permis une vengeance d'un peuple qui se trouvait parmi toutes ces nations, et on aurait pu croire que certaines nations auraient été contre lui. Et c'est cela que Achashverosh a fait. Il a fait un test. Il a mis des impôts pour voir si, oui, il allait avoir une rébellion. Et Akadosh Baruch Hu l'a récompensé et il n'y a eu aucune rébellion. Et il dominait à 100%. Et la Megillah se termine par ces mots-là que Mordechai était aimé de tous et qu'il demandait le salut de chacun de sa nation. Et oui, la Megillah se termine par ces mots-là pour nous dire c'est que grâce à cette union que nous pouvons lutter contre les paroles d'Amalek qui nous dit que Yeshno Amechad Mefouza ou Mefourad Becholamim, qui est un peuple qui est éparpillé parmi toutes les nations. Et oui, nous sommes peut-être éparpillés, mais nous avons la chance de nous ressentir tous soudés. Nous devons cultiver ce sentiment d'union afin que Akadosh Baruch Hu qui a été caché pendant toute cette Megillah et qui se cache pendant tout cet exil, mais qui se dévoile une fois enfin pour tout. Bémera, béaménou, amen.